Très heureux partout au Bénin, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal, nous voici le sommaire. Après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou se remet dans le combat politique, un choix qu'il dit avoir fait après une analyse personnelle de l'arène politique. « Je suis candidat à tout ce que l'Union progressiste, mon parti, voudra », a-t-il déclaré hier lors de sa conférence de presse, élément à suivre. Diogbenou qui revient en politique, mais sera-t-il simplement militant de l'UP avec ce background assez pesant? L'Union progressiste ne saurait le laisser se fondre dans la masse avec un tel parcours, pense Agapit Napoléon Maforikan. Ses analyses sont à suivre, de même que les commentaires des invités de notre émission spéciale consacrée au sujet. La campagne électorale pour la mise en place des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat bat son plein. L'élection est pour le 24 juillet, mais pour quel changement dans la vie des artisans? Reportage à suivre. Professeur Joseph Diogbenou fait son comeback en politique après avoir démissionné de la Cour constitutionnelle. Eh bien, Joseph Diogbenou, professeur de droit privé, a annoncé renouer avec le militantisme politique. Il retourne donc au sein de son parti, l'Union progressiste. L'homme l'a fait savoir hier à travers une conférence de presse dont voici le contenu. Ce renoncement à l'action politique auquel j'ai dû me soumettre, m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier. Voilà qui est désormais clair. Joseph Diogbenou renouvelle avec son engagement politique. À sa désignation par le bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de Maître Adrien Ouedji, l'homme a dû renoncer à la chose politique pour assurer le rôle de conseiller à lui confier à la Cour constitutionnelle avant d'être projeté à la tête de l'institution. 4 années au cours desquelles il a fait le job, il en est reconnaissant. Mais ses objectifs dans cette société démocratique et cet état en construction sont d'abord politiques. Joseph Diogbenou retrouve sa famille politique qui n'est rien d'autre que l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique, à titre personnel, j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé, et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base, que je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Joseph Diogbenou, qui revient dans l'arène politique, mais en quelle qualité? Simple militant ou président du parti Union progressiste, comme il se susurre dans l'opinion, la question lui a été posée. Voici sa réponse. Cette question est adressée à l'Union progressiste. Mais il faut quand même souligner que les fonctions les plus éminentes sont exercées par les militants les plus simples, mais les plus engagés. Et donc, mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et il me paraît nécessaire, je revendique la qualité d'un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements,
et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. C'est ce qui me détermine fondamentalement lorsque, surtout, vous considérez que, à titre personnel, ce dont vous pouvez être utile dans le cadre d'une institution est déjà suffisamment accompli et qu'il est encore nécessaire de contribuer ailleurs au renforcement de l'état de droit, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Nous avons tiré ces conséquences-là. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce qu'il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service de chacun de nos compatriotes et surtout au service du parti pour contribuer davantage à la construction de ce qui est important pour nous tous. À ce titre, l'ancien président de la Cour constitutionnelle dit être désormais candidat à tout ce que son parti lui demandera de faire. Et cette actualité a fait objet d'une émission spéciale sur nos antennes ce mercredi avec comme invité des journalistes qui ont apprécié le retour de l'homme sur la scène politique. Voici le compte rendu que nous propose Aziz Adam Soulé. C'est une actualité qui tient le haut du pavé et ne laisse personne indifférent. En conférence de presse ce mercredi 14 juillet 2022, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Diogbenou, après sa démission, a laissé entendre lors de cette rencontre qu'il retourne à sa famille politique, qui est la sienne, l'Union progressiste. Cette décision, dit-il, est nécessitée par l'appel de la conscience. Il a souhaité reprendre l'engagement politique là où il l'avait laissé. Sur l'émission spéciale animée sur votre chaîne de télévision ETélé, les journalistes Gabin Goubilly et André Dossa y ont apporté leurs analyses. Pourquoi donc se sent-il obligé de renoncer? C'est forcément parce qu'il envisage un avenir dans un autre cadre, dans une autre dynamique qui convient plus que celle un peu plus contraignante de la fonction de président de la Cour constitutionnelle. Il dit qu'il veut militer et se met donc au service de son parti, l'Union progressiste. Aujourd'hui, il retourne et voudrait être cet ouvrier qui se remet sur le chantier. Et sur quel chantier? Le chantier de l'animation de la vie politique, dans le cadre de sa formation politique, l'Union progressiste. Et il renonce à quelques encablures des élections législatives. Les élections législatives de 2023 sont celles qui vont préparer 2026. Ouais. Si vous êtes un acteur politique et que vous nourrissez des ambitions pour 2026, vous devez forcément passer par 2023. Et il y a plusieurs manières d'aller à 2023. Pour ce qui est de la présidence de l'UP, je ne crois pas que les débats aient été menés au sein des cadres de l'Union, parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites au moment où Diogbenou n'était pas un peu dans l'activité politique, dans l'action politique. Il y a eu trois élections qui sont déjà passées, les législatives du 28 avril 2019, les communales et la présidentielle. Donc je me dis, il sait là où il va. Les élections législatives qui viennent constituent un avant-match, si vous voulez, une demi-finale de ce que 2026 sera. De l'autre côté, pour le vis-à-vis Jacques Bocor, des questionnements s'imposent quant au retour de l'homme dans son ancienne formation politique. Diogbenou, si effectivement il a des ambitions comme on le lui prête, voilà, est-ce qu'il a besoin forcément de prendre la tête? Est-ce que en tant que simple militant, on ne peut pas le positionner sur une liste? Est-ce qu'on ne peut pas, peut-être à l'unanimité ou à quelques exceptions près, on ne peut pas le porter comme candidat du parti en 2026? Donc, bon, et puis quand il dit qu'il renonce, renoncer pour aller trouver mieux, est-ce que c'est renoncer? Mais à supposer que ce que les gens disent se réalise en 2023, où on le voit au Pechois, effectivement, deuxième personnalité de l'État, est-ce que on peut parler de renoncement? De toutes les façons, les ambitions sont bien claires. La bataille pour les prochains défis sera rude, certes, mais à quelles conditions?
Et avec ce retour en politique, l'homme se met à la disposition de son parti. Mais Joseph Diogbenou, ne sera-t-il alors qu'un simple militant au sein de l'Union progressiste? Pour le consultant politique Agapit Napoléon Maforekan, avec ce background d'intellectuel engagé et d'homme politique averti, l'UP ne pourrait le laisser noyer dans la masse. C'était hier dans sa chronique politique dont je vous invite à suivre un extrait. Il est membre de l'Union progressiste, il était de l'Alternative citoyenne, ils ont fondu le parti a été dissous. Le parti est déjà, et les membres ont été reversés à l'UP. Il est de fait membre de l'UP. Il confirme de maintenant qu'il est de l'UP. L'UP fera de lui ce qu'il fera, mais lui ne peut pas s'imposer à l'UP. Mais c'est un cadre, n'oubliez pas. Il est proche agrégé, il est professeur, il est avocat, il a la cinquantaine, il a été président de la Cour pendant 4 ans, il a été ministre de la Justice, il a été président de la Commission des droits, des lois à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a un tel pedigree, on ne peut pas être un simple militant, ce n'est pas possible. L'UP ne peut pas se permettre de le laisser noyer dans la masse parce qu'il n'y en a pas, avec son profil, il n'y en a pas beaucoup. C'est un homme avisé, il ne peut pas s'imposer à ceux qui sont là. C'est un militant de base qui retourne à sa base en disant « Je suis à votre disposition, faites de moi ce que vous voulez. » Mais il ne faut pas que les médias soient aussi si quand même sautes pour pouvoir penser que bon, c'est quelqu'un qui va rester derrière, tenir la mallette des gens. Voilà. Non, lui, on lui a tenu la mallette. Il y a un niveau où on lui tiendra encore la mallette parce que il a un certain nombre de cartes à jouer. C'est un homme avisé. Il sait bien que le temps de la succession va venir. Il sait bien qu'il a les qualités, il a les talents, les compétences, les aptitudes. Il a sans doute envie de jouer un rôle. Il a pris le risque. Ça, quand même, il faut le faire. Il a pris le risque d'abandonner le confort de la Cour constitutionnelle pour retourner sur le terrain et affronter les réalités, les dures réalités. Vous voyez bien que les critiques fusent déjà de partout. Oui. Voilà, on lui rappelle son passé. Mmh. J'ai entendu l'autre dire, bon, allez, loin du demi-salut après la première gaffe, pour ne pas parler de Richard Bonny. Vous allez en entendre régulièrement, on va lui raconter toute sa vie. Mais je pense qu'il a voulu prendre un risque. Et un homme politique, un homme d'État doit accepter de prendre des risques. Je pense qu'il se met dans cette bataille parce qu'il sent que on ne peut pas se soustraire à ce risque-là et vouloir jouer un rôle. Et donc, l'intérêt de la nation dont il parle, c'est sans doute qu'il estime qu'il faille continuer l'œuvre de Patrice Talon, après Patrice Talon. Voilà, et avant sa conférence qui a porté sur les raisons de sa démission, l'ancien président de la Cour constitutionnelle a passé le témoin mercredi matin au vice-président de l'institution, Razaki Amunda Issifou. Voici le point que nous propose Jeanne Dopé. Conformément aux dispositions des articles 115 et 116 de la Constitution, le président sortant de la Cour constitutionnelle passe la main au vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amunda Issifou, qui assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau conseiller. Joseph Diogbenou s'en va avec le plaisir d'avoir travaillé avec une équipe dynamique. Je voudrais saluer la contribution de grande qualité de l'ensemble des membres du personnel, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet. Mais je voudrais avant tout dire ma gratitude à l'Assemblée nationale au titre de la 7e législature, présidée alors par M. le Président Adrien Oumbidi, de m'honorer de cette désignation qui m'a permis de faire cette expérience formidable, d'abord en qualité de membre et en qualité de président. Je voudrais remercier le Président de la République d'avoir compris qu'il était possible que j'exerce en cette qualité. Il y a des objectifs qui dépassent chacun de nous et qui sont fondamentalement républicains. Veuillez accepter que ma démission ne s'inscrit donc pas dans une sorte de renoncement à une position, mais dans une acceptation dans la réalisation des objectifs qui sont importants et sur lesquels il me sera possible de revenir cet après-midi. Et donc, je voudrais encore une fois vous remercier. L'émotion était grande dans le rang des agents qui ont du mal à laisser partir l'homme qu'ils ont côtoyé et avec qui ils ont travaillé pendant 4 ans. Sous sa présidence, 2095 décisions ont été rendues avec de nombreuses réformes mises en place. Nul n'ignore les réformes juridictionnelles qu'il y a eu au cours de cette mandature et qui ont été entamées aussitôt à l'avènement de la mandature
sous votre présidence. Les réformes ont conduit à plus de transparence, à une meilleure prise en compte du principe du contradictoire et à une efficacité renouvelée au niveau du travail de la Cour constitutionnelle. La création des chambres de mise en état, les instructions en public, le déroulement du procès en public ont caractérisé les réformes que vous avez faites et les plus de 2000 décisions rendues sous votre présidence attestent de l'opportunité et de la pertinence de ces réformes qui se poursuivent actuellement avec la création d'un greffe au niveau de la Cour constitutionnelle. Le président Razaki Hamouda Issifou, qui prend ainsi le témoin, rend à son tour hommage à l'homme qui a marqué l'institution de par son dynamisme. Monsieur le Président, s'il est communément admis que la haute juridiction porte les empreintes de chaque président qui y passe, soyez rassuré que l'institution portera pendant très longtemps les vôtres. En me passant cette charge ce matin, vous attendez certainement de moi et des autres conseillers la poursuite de l'œuvre commune entamée. Cette attente me paraît légitime et soyez-en rassurés, elle ne sera pas déçue. Je prends l'engagement, en ma qualité de vice-président et de président par intérim de la Cour, de veiller au bon fonctionnement de l'institution. Le président sortant invite le nouveau patron de l'institution à assumer pleinement sa mission. Cet intérim va durer 2 mois en attendant la désignation d'un nouveau conseiller par le Parlement. Merci à vous, Jeannot Dopéon, pour ce compte rendu. On parle éducation dans la suite de cette édition. En bref, bien évidemment, les candidats au baccalauréat connaissent depuis cette nuit leurs résultats. Le directeur de l'office du bac a annoncé les grandes tendances de l'examen mercredi nuit selon le bilan présenté par Alphonse Da Silva. Le taux d'admissibilité au plan national est de 59%. C'est le département de l'Atlantique qui vient en tête du classement avec un score de 65,65%. Parmi les séries, c'est la G1 qui occupe la première place avec 93,2% d'admissibilité. Les épreuves physiques et sportives démarrent le 18 juillet. Prochain, celles facultatives sont pour le samedi 16 juillet. On parle du Conseil des décisions issues du Conseil des ministres cette fois-ci. L'actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 13 juillet 2022. Les membres du gouvernement ont aussi autorisé une mission de maîtrise d'ouvrage partiel dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terre. Le point de cette décision avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Mbeji. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code? Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. Outre ces améliorations, les principales innovations du texte portent sur un préambule fondé sur le développement durable, 3 nouveaux principes à savoir la mutabilité du service public aux besoins des usagers, le contrôle hiérarchique, et l'accessibilité du service public. 2 formulaires d'engagement, l'un adressé aux agents de l'État et l'autre aux agents nommés à des postes de responsabilité. Le ministre du Travail et de la Fonction publique assurera la vulgarisation du Code et veillera à son application dans toute l'administration publique. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation
et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. C'est ce qui justifie l'adoption du présent décret en remplacement de celui numéro 2017-332 du 6 juillet 2017 portant sur cette matière. Il renforce la participation de tous les acteurs et consacre des innovations dont la réduction du montant des redevances à payer par les promoteurs, l'insertion des e-services dans la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale, la prorogation de la durée de validité du dit certificat à 3 ans contre 1 jusqu'ici, et celle de la périodicité de réalisation des audits environnementaux et sociaux externes à 3 ans contre 2 actuellement. L'exigence d'un plan d'engagement de la part du promoteur pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du cahier des charges y relatif. La catégorisation des différents projets en tenant compte des impacts des activités et du milieu d'implantation. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable assurera l'information des organismes intéressés et veillera à la bonne application de ce décret. Venons à présent à ce titre, la campagne électorale pour le scrutin du 24 juin devant mettre en place les membres de la Chambre des métiers de l'artisanat bat son plein. Sur le terrain, les candidats en lice usent de charme pour convaincre les électeurs. Mais justement à ce titre, cette élection va concrètement apporter quoi à la corporation qui compte plus de 50 corps de métiers? Mathieu Bocor a cherché à le savoir. Son reportage est présenté par Jeannot Dopéan. Omer, photographe, se dit fier d'être aujourd'hui artisan. Et pour cause... Je remercie le président de la République pour l'initiative de réorganiser le secteur de l'artisanat. Depuis près de 10 à 13 ans, le secteur a connu vraiment une débauche où tout est en désordre. Quand le président de la République est venu, il a voulu réorganiser le secteur d'où la Chambre des métiers est venu, donc je l'apprécie à sa juste valeur. Le Conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2022 a donné son accord pour l'organisation des élections de la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Élection prévue pour le 24 juillet 2022. C'est une très bonne chose. Et si vous parcourez et tous les artisans du Bénin, vous devez les entendre exprimer leur joie. Leur joie d'accueillir cette élection et d'y participer. Et d'y participer vraiment. Parce que c'est une première. À l'issue de ces élections, 80 membres seront désignés puis installés. Mais quels enjeux pour les élections à la Chambre des métiers de l'artisanat? C'est pour aller œuvrer à certains points. Œuvrer pour que la fédération de notre branche soit unique sur le plan national. Et œuvrer pour que la charte d'exercice soit à notre niveau. Je dois aller œuvrer pour que les artisans, ceux de la branche de l'audiovisuel, aient une formation continue jusqu'au niveau du dernier artisan. Au-delà d'un discours martèle les artisans rencontrés, ils souhaitent que leur corporation soit beaucoup plus représentative afin qu'ils puissent effectivement contribuer à l'économie béninoise. Nous voulons l'union dans la corporation, la formation surtout, le social. Il y a beaucoup qui ont appris le métier mais qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas les moyens de s'installer. Nous voulons que le chef de l'État pense vraiment de ce côté pour que les plus bas aient aussi leur atelier et se faire former au même niveau que tout le monde. Environ 452 000 électeurs sont appelés aux urnes le 24 juillet prochain pour un changement à coup sûr du secteur. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de ce jeudi 14 juillet qui marque la fête nationale de la France. Je rappelle juste que le traditionnel défilé militaire du 14 juillet en France s'est tenu ce jeudi sur les Champs-Élysées. C'est tout pour ce 13e, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.